Yo les gens, ici Rafi 7250, on se retrouve comme chaque vendredi pour ma vidéo hebdomadaire sans placement de jeu sur Destiny 2. Donc le jeu est arrivé depuis 19h aujourd'hui, donc on est le vendredi 26 avril, sera disponible jusqu'au mardi 30 avril, donc jusqu'au reboot de la semaine. Donc sur cette semaine est sur Titan, donc je vous montrerai son emplacement avant qu'on arrive directement en destination. Titan, elle sera ici, à la plateforme. Là on a spawn, c'est parti, on y va. Vous choisissez le même chemin que moi quoi. Et il est ici. Juste là. Hop. Donc on va voir ce qu'ils vont cette semaine. Donc là, petite info depuis le temps que je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Donc dans les engrammes prédestinés, vous pouvez avoir des engrammes exotiques de renégats que vous n'aurez pas dans la collection. Donc l'arme de la semaine, c'est la belle affaire, c'est un fusil automatique. Donc perk principal, on a jour de paix. Le chargeur est le plus grand, améliore la précision lors des tirs à visée, sans viser. Rainure polygonale, donc augmente la stabilité. Ensuite, on a munitions de gros calibre. Augmente légèrement la portée, les affaires reprennent, maintenir la détente enfoncée améliore la portée, la cadence de tir de cette arme et charge automatique les munitions ramassées. Cross composite augmente légèrement la stabilité, augmente légèrement la vitesse de maniement. On passe aux armures, donc on a porte-bonheur pour la classe des chasseurs. Regarde, j'ai pris sans vouloir, hein. C'est pas grave. Donc étui est modifié illégalement, donc ça c'est la perque principale. Les tirs de précision remettent une balle dans les chargeurs de revolvers qui sont rangés dans leur étui. Les revolvers sont utilisables plus rapidement et sont plus précis pendant un court instant quand vous passez avec un revolver. Donc voilà, donc là c'est pour les chasseurs. Pour les titans, on a épaulette du croc de mort. Perque principale, corne de malédiction, les frags de mêlée abyssale donnent des énergies de super quand la boue. Bouclier de sentinelle est activé, les frags de mêlée rechargent votre lancer de bouclier qui prolonge la durée de votre super en cas de dégâts sur l'ennemi. Pour les arcanistes, on a épris de Eos, esprit de Eos. Donc c'est énergie de Eos. Lancer des grenades offre les avantages suivants aux membres du culte des Eos des proximités. Donc énergie de grenade pour les arcanistes, énergie de barricade pour les titans. Énergie d'esquive pour les chasseurs. Les autres alliés reçoivent une portion d'énergie partagée. Et ensuite, on a le 5 épée et l'invitation des 9. Donc, petite précision. Ah, mais ils l'ont changé. Ah, mais ils ont dû le changer. Les 20 petits. Ah, bah non, parce que moi, je l'ai pas fait. Donc, le nouveau qu'il y a, parce que moi, je l'ai pas encore fait. Il y a les nouveaux qui sont arrivés là, qui viennent d'arriver aujourd'hui. Le tout nouveau, la dernière étape, en fait, elle est buggée. Ils disent de faire des frags sur la côte enchevêtrée. Et du coup. Ils disent de tuer des. On appelle ça. Des Vex. Mais il n'y a pas de Vex sur la coche enchevêtrée, donc faut attendre que Bungie remodifie ses contrats. Voilà. Donc voilà, cette nouvelle vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter la vidéo. Donc juste avant de partir, petite info, il n'y aura pas de vidéo de Xur la semaine prochaine, donc vendredi prochain, parce que je pars en long week-end. Je pars vendredi dans la mi-journée et je reviens dimanche soir. Donc voilà. Donc voilà. Salut, bye bye, portez-vous bien. Salut. Take a body, go. Take a body, try.